Attends, ton grand frère là, c'est un policier. Va dans la salle. On va dans la salle là-bas. Bah, toutes mes excuses. Qu'est-ce que tu es venu faire ici maintenant? Comment qu'est-ce que je suis venu faire chez toi? Pourquoi tu ne pourrais pas attendre que je vienne à la maison? Attends. Un homme qui te veut vraiment doit venir te voir à la maison. Il n'est pas question de toi. Mon père n'aime pas qu'on vienne me voir à la maison. C'est juste ça. C'est pas que je ne veux pas que tu viennes, mais je fais les choses posément, non? Attends, tu ne connais pas tes parents, mais laisse-moi commencer par venir chez toi. Mais faisons les choses pas à pas. Tu ne peux pas juste venir comme ça. Je t'ai déjà expliqué que attends, la personne ne veut pas que ça te dérange que je suis venu chez toi. C'est quoi? C'est ton papa? Mais le cas fait là, moi, je dois commencer par comment. Tu vois ce que tu viens de créer, mais. J'ai créé quoi? Tu vois. Qu'est-ce que j'ai créé là? Il faut que je commence pas te fréquenter, commence pas venir chez toi pour que tes parents sachent que tu sois avec un homme. Je ne comprends pas, c'est justement là le problème. Attends. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Papa dit de rentrer à la maison avec ton invité. Que c'est pas bien de rester au portail avec les gens comme ça. Quel invité? Comment invité? Il partait déjà. Ah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit de venir avec lui. C'est le moment de raconter ton papa. Regarde, c'est mono. On le devient quelqu'un. C'est le moment de raconter ton vieux. Il est un homme, il est un homme. Moi, je n'ai peur de rien. Oh. Je n'ai peur de rien. Si, attends, si lui, son beau-père a fait ça, est-ce que lui, il va te faire tout là aujourd'hui? Hein? Allons, moi, je n'ai peur de rien. Il est un homme, non? C'est lui qui veut te marier. C'est comme tu veux. Allons-y. J'espère qu'il ne voit pas les motos ici. Hein. Vous n'avez pas de chien chez vous? Non. Tu peux? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Papa, moi, c'est Abyss. C'est moi qui vais prendre soin de votre fille, quoi. Tu vois, il y a des quoi. Des fois, quand je ne serai pas à la maison, là, sachez qu'elle est avec moi, quoi. Abyss, c'est moi. Ah bon? Oui, papa. Vous ne vous rappelez plus de moi? Bon, c'est l'occasion de vous connaître. Je ne vous connaissais pas. Vous ne me reconnaissez plus? Je suis là pour vous connaître, papa. Ah bon? Oui. Vous vous rappelez la dernière fois? Vous ne voyez pas? Oh, excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai pas fait... Vous ne voyez pas? Vous avez vu comment vous avez collé ma moto? J'ai pas fait exprès. Ça ne va pas? Comment vous n'avez pas fait exprès? Je suis ton... D'accord, gagne la moto bien d'abord. Garde bien la moto. Garde bien la moto. Vous les yeux là. Quand on vous dit, vous voyez la moto, vous savez combien ça coûte? Vous savez combien ça coûte? Vous savez combien ça coûte? Papa, vraiment, excuse toutes mes excuses. Le jour là, je t'ai pressé. Je t'ai vraiment pressé, papa. Papa, chérie. Papa, il y a quoi? Ah, mon fils. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, ton grand frère là, c'est un policier. C'est ce que tu constates. Toi, il y a quoi? Tu te rappelles le jour quand tu es rentré? Couroué là. Mm-hmm. Et j'étais le visage enflé. C'est ce monsieur qui m'a tabassé. Donc c'est à cause de lui, j'ai dépensé ces 4000 à l'hôpital. Et là. Tu m'as amené à l'hôpital et tu as dépensé. Papa, c'est lui. Maintenant, il veut faire quoi ici? Il dit qu'il veut prendre soin de ta fille. Comment tu peux faire ça? Je ne savais pas que c'était ton père. Et alors? Papa, toutes mes excuses, papa. Va dans la salle. On va pas dans la salle là-bas. Papa, toutes mes excuses. Non, oui, on sait. Papa, je ne savais pas. Oui, Djavigan, a chanté. Tiaf. Papa Yazi. Papa, je ne savais pas. Papa, vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Mon fils, va m'amener à Gyankpa là. Aujourd'hui, je vais vous laisser enfreindre la loi. Papa, pardonnez. Papa, le portail n'est pas fermé. Viens ici! Hé, mon fils, va fermer la porte! Je viens! Vous les yeux là, quand on vous dit. Ah bien, Agba, retrouvez-vous. Oh, regarde, attendez! Moi, on m'appelle Abyss, le David du coin. Va dans la salle. On va pas dans la salle là-bas. Papa, toutes mes excuses. Eh, David, hein. On peut chanter. Tiens.